On est parti dès que tu es prête. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu aimerais travailler? Bonne question. Ah ouais, non, je pense que c'est juste que je m'habitue aux priorités et tout. Ouais, vas-y, on est parti. Ah, c'est possible, j'ai reculé le siège pour enlever la caméra tout à l'heure. Mais là... Et attention. Et puis si tu pars dans ce sens-là, je suis pas sûr du résultat. Oui, non. Si tu tournes maintenant, l'avant, il va partir où? Vers la voiture. Voilà. Stop, 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 stop. Bah non, c'est la mairie de Notre-Dame. Oui. On ira à droite. Bon, on suit la route, quoi. Oui. Attention, trop tôt. Ouais. Voilà. Je sentais que tu as commencé à être proche. Proche, ouais. On ira à droite. T'as fait attention cette fois. Ah bah là. Clignotant. Faut pas hésiter à le mettre pour ça. À la prochaine, on ira à droite. On revient vraiment à droite. Hein. Vraiment. Vraiment encore à droite. Encore voilà. Bah, disons qu'ici, c'est pas très large. Donc s'il y a quelqu'un qui arrive, vaut mieux que tu sois à ta place. Hein. Il y a un âne dans le jardin. Il y en a deux. Oui. Des fois, il y a des gens, ils en ont dans leur salon. Dans leur salon. C'est, elle n'a pas compris encore. Non. Non, c'était sous second degré, l'âne. Ah, ok. À droite. J'aurais pu mettre là une. Ouais, ça aurait pu. À droite. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai demandé, je crois. Bah, il y avait deux. Il y a... Bref. Doucement, 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 doucement ici. Et regarde le mur. Gabarit. T'as compris pourquoi ouais, doucement? Parce qu'on avait foncé dans le mur. Ah bah oui, t'étais vachement proche. J'aime pas les trucs comme ça là, avec les flèches. Là. On ira à gauche. Le vélo. Le vélo. Après le vélo? Bah avant ou après, bah, avant. Comme tu veux. Allez, vas-y. À gauche. J'aime bien les Playmobil, je suis plus Lego. Ah non, moi je suis plus Lego. Quand j'ai été. Bon, moi je peux encore monter des Lego, ça me fait kiffer. En plus maintenant ils sortent plein de trucs. Hein. Ouais. Attention, on peut faire mieux à droite. On peut faire mieux. T'as ouais. En fait, tu veux que je te l'enlève de la tête cette chanson? Ouais. Alors, ouais. Alors, gère bien ton arrêt à la ligne et après viens petit à petit chercher la visibilité. Ah oui, là, je suis trop, C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Tu vois, quand j'ai le stop au niveau de mes pieds, c'est pas normal. En et fait, ça, j'ai un moyen pour. C'est pas éliminatoire, mais bon, au bout d'un moment, ça peut devenir dangereux ouais. Et là, ça peut l'être. J'ai un moyen pour enlever une chanson qu'il y a dans la tête. C'est quoi? La première, c'est de l'écouter en boucle. La deuxième, c'est d'essayer ça. Les petits poissons dans l'eau. Nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau. Nage aussi bien que les gros. Les petits, les gros, nage comme il faut. Les gros, les petits, nage bien aussi. Les petits poissons dans l'eau. Ça y est,
Nage, 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 les petits poissons dans l'eau. Nage aussi bien que les... Oh. Tu vas pouvoir me remercier, t'as plus les Playmobil maintenant dans la tête. Oh putain, c'est vrai. Mais maintenant, j'ai ça dans la tête. Je suis content parce qu'en plus c'est horrible. Hein? À droite. Ouais, mais y a... si il y a des trains qui s'arrêtent, mais il n'y a plus de guichets ni rien. Putain, j'ai dans la tête là maintenant. Okay, moi okay. Aussi, mais moi aussi, mais je dois avouer que ça valait le coup. Hey, t'as vu la problématique de venir chercher la visibilité? Lâche tout. Là, tu venais chercher la visibilité, t'étais déjà en train de redémarrer, t'avais oublié de t'arrêter. Je m'arrête et maintenant je viens chercher la visibilité, mais je m'arrête à la ligne. Vas-y, et t'as un miroir, regarde en face. C'est bon? Oui. Bah, du coup, le clignotant, il est. Non, c'est pas grave ça. Au moins, tu t'es arrêté au stop. On ira à gauche. Ouais, c'est pour dire passe pas tant que les barrières elles sont baissées. Mais non, je pensais que je pouvais les défoncer. Ouais, mais il y en a, ils, pendant un moment c'était une mode, hein. Les gens ils voyaient le train passer pour gagner du temps, ils passaient entre les barrières après le train. Mais t'en avais un autre qui arrivait dans l'autre sens. Oui, il y a dû avoir pas mal d'accidents. Ah oui, il y a eu pas mal de morts. D'où le un train peut en cacher un autre. D'être à 30 là. Moi je veux revoir l'autoroute là. Bon, du coup, il est à quelle heure ton bus? Bon, j'en ai plusieurs. J'ai 17h11, 17h40, 18h10. Ah, 17h11? Oh, si, ça peut le faire. Je pense même que je prendrais celui de 17h40, faut que je m'achète des chaussures. Ah, oui, c'est vrai. Tu vas aller où? Bah courir ou comment ça s'appelle? Oh, je me suis pris une goutte dans l'œil. Oh. Courir ou comment c'est quoi l'autre magasin en ville de chaussures? Footlocker. Footlocker, ouais. Il y a un trou. Ah, j'y allais souvent avant, il y a longtemps. Bah pourquoi tu vas plus? Ah non, moi je me suis pris une rafale devant. Où tu veux. J'avais envie de prendre le stop. Attends, mais du coup là le stop il est au bout. C'est un stop ça? C'est un sens interdit. Je suis fatiguée. Alors tiens, tu me laisses tout. Je t'ai expliqué un truc vite fait. On va prendre 2 secondes. Bon, le jour de l'examen, ce que t'as fait c'est pas bon. Ah bah, non, alors c'est bon au départ et ça l'est plus à la fin. Je t'explique vite fait, juste je me gare pour pas gêner. Hop. Et je t'explique. En fait, ça va, oui. On se calme. Évidemment, j'ai mis mon calepin derrière. On parie? Oui, bah oui. J'ai pas envie de sortir. Ah bah là, il pleut. Il est là. Ça va, il peut pas tomber ça. Et tu vois, c'est exactement ce que j'ai expliqué hier. Bah, tu réutilises le même dessin, là. Hein? Tu réutilises le même dessin, là. Non, je redessine un truc. Ah, mais t'aimes bien dessiner. Ouais, et puis ça fait gagner du temps. Je rigole. Non, c'est que la situation est un peu différente. Et tu vois, j'ai redessiné le même merdier. Hop. Donc là, tu as ton sens interdit et tu as le deuxième. Sur le premier, en dessous, il y a un panonceau 50 mètres qui signifie quoi? Bah, qu'il va y en avoir un à 50 mètres, quoi. Ouais. Donc en fait, quand tu arrives là, il y a la camionnette qui passe. Tu la laisses passer. Toi, ici, pour toi, c'est quoi? Une priorité à droite. À partir du moment où tu gères la priorité à droite et que tu passes, il n'y a aucun souci. Par contre, là, tu n'as pas le droit de t'engager après ce panneau. Ouais.
Donc en fait, tu t'arrêtes là. Il va juste te dire, on va faire demi-tour et on va repartir. Non, soit tu as le droit. Ouais. À partir du moment où tu gères la priorité. Par contre, si ici tu gères pas la priorité, là c'est mort. Ah bah oui. Mais bon, là de toute façon, si tu t'arrêtes. J'aime bien parce que quand tu m'as dit c'est un stop, j'ai dit bah tu sais quoi, je vais la laisser faire, on va rigoler. Bah non, mais. On va rigoler. Allez, vas-y. Bah c'est comme ça qu'on apprend. Alors c'est le frein à main qui est mal, ouais. Mais elle a une. Allez, on repart à gauche. C'est le mien. Et on ira à gauche à la prochaine. La Duc. Ah, mais c'est chez ma pote. Je me disais, putain, je connais l'endroit. De quoi? Bah, plaque, plaf. Ah, doucement. Qui habite là? Ouais. C'est l'entreprise, c'est pas vrai. Ouais. On ira à droite. Et du coup, elle a un logement là-dedans? Ouais, ils ont une maison. On freine doucement. On reprend un voyage, on s'arrête. Mets la une. Et là, faut vraiment voir. Tu vois, parce que t'as vu, la visibilité, elle est pourrie. Et tu vas voir que ça arrive vite. Encore, lui, il arrive pas trop vite, mais... T'as vu que lui, il arrive plus fort. Hein. Allez, par contre, quand on y va vraiment. Ça ferait du bien qu'ils mettent un coup de débroussailleuse là. Allez, allez. Faut lancer. Hein. Va tout droit. On va prendre la deuxième sortie en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. On va à gauche. Et on ira à droite à la prochaine. S'arrête maintenant. On va se garer entre les deux voitures. Non, pas entre les deux voitures. On va faire un rangement en bataille en marche avant après la, après l'espace là. Ouais, le scénic. En gérant la sécurité, en prenant son temps, ni pendant ni à la fin de la manœuvre, on ne se retrouve collé au véhicule. Ouais, je t'ai dit non, pas entre, parce que entre les deux, il y avait. Ouais, bah il y a un arbre, un morceau d'arbre. Regarde l'arrière quand même. T'as compris? Non. Ouais, bon, je te... Allez, redresse. Non, j'ai pas compris.
Bon, t'étais un peu proche, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, ça va. Ça va, ouais, ça reste raisonnable, pas plus quoi. On repart à gauche. Quoi? T'allais tourner ton volant, tourne pas ton volant. Oui, mais j'ai compris après qu'il fallait que je tourne maintenant. Mais maintenant. Voilà. Extrêmement bien géré. Parce qu'on l'a déjà fait ici. Ouais, ouais, mais il y a des gens, je vais passer 4 fois, ils s'en souviendront pas. On ira à droite. En même temps, la prio d'avant aussi, on l'avait déjà faite. Hein. Ouais. Bon, après, c'est moins marquant que. Et on fera demi-tour au giratoire. J'ai cru qu'elle allait pas s'arrêter. Bah oui. Il avait l'air à fond sur son téléphone, ouais. Le moniteur. Allez. Une garde fortifiée sa noix. Ouais. Là, c'est ça que tu veux? Bon, ça va en plus, ça se trouve à des budgets raisonnables. Bah ouais, hein, dans les 2000. Hmm. Ta-dam, ta-dam. On va suivre la route qui va à gauche. Et ce qu'on va faire, on va rentrer sur le parking qui se trouve à droite. Continue. Ah ok. Je pensais que tu voulais une manœuvre. À ce parking là. On va tourner à droite, là on n'a pas le choix. À gauche. On ira à nouveau à gauche. Je vois pas la ligne de stop là. Bah arrête-toi à peu près où tu estimes qu'elle est. Voilà, pas plus loin. À l'école. On ira à droite.
Ça faisait un peu gogol ça. Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien l'idée. Oh t'inquiète pas, moi je suis tarté. Oh, j'ai vu ça avec les petits poissons. Hein. Oh bon, il n'y a pas que pour ça que je suis tarté. On ira à droite. Elle est loin à la droite là. Ouais. Elle est là quoi. T'es loin quoi. En freinant un peu. Toi, tu t'es laissé entraîner. Un petit peu plus loin. D'accord. Je suis KO. Ouais. En plus, la pluie, ça m'endort. Ah, moi, j'adore la pluie. Ouais, mais ça m'endort. À gauche. Ouais, mais c'est un truc. Tu pourrais dormir. Ouais. Ça fait mode ASMR. Ouais, c'est ça. Et. Des gens qui aiment pas du tout la pluie, moi j'adore. Si, l'orage et tout. Et l'avantage que ce que j'aime avec la pluie, c'est que vaut mieux être dans la voiture que dehors. De toute façon, tu m'aurais dit non, je m'arrêtais, je te faisais descendre. Cool, cool, cool le moniteur. Ouais. La route. Je vais prendre un peu de ventile parce que sinon on va avoir de la buée. C'est pour te donner de l'espoir. C'est ça. Et puis re 50. Ah ouais. T'inquiète pas, tu vas pas avoir le temps de t'y faire aux 50. Ah ouais. Oh putain. Ah mais quand je dis ces patelins, ils ont décidé. Tu veux passer chez nous, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, rêve pas, tu rouleras pas. Mais t'es le bienvenu. Mais tu viens, roules pas. Mais viens quand même. Bon, en fait, ces patelins, ils en ont marre des gens qui passent dans leur bah oui. dans le patelin et qui tartinent. Hein. Bah, c'est pour ça qu'il y a des trucs aussi là. Aussi là, là. Ouais, bah des rétrécissements, les dodanes, des zones prio. Des prio. Des zones de priorité. Etc. Le faire. Bah, je l'ai fait là sur la route. Ah non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais je te voyais hésiter avec la main au-dessus. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit ouais, faut le faire. Ah bon, on se le croise. Comme on se ouais. le croise. Ouais.
ça. Voilà. C'était pour ça que je disais serre pas trop. Ah oui. Et elle s'est dit ouais, il a pas confiance en moi. Bah non, mais je pensais pas que c'était... Et tu vois, je t'ai vu redresser, j'ai dit bon bah c'est bon, et puis en fait elle a retourné juste après. Et ça, faut se méfier, t'as le trottoir, hein. Tu vois, les trucs comme ça, tac. Ouais. Voilà. Arrête-toi maintenant. Ouais. Là, en fait, plus tu tardes à t'arrêter, plus ça devient compliqué pour repartir. Donc là, le must, c'est vraiment de s'arrêter au niveau du panneau. Allez, on lance un peu. Non, 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 on revient pas. De toute façon, une fois qu'on s'est engagé dans le rétrécissement, on passe. Il n'y a pas de « je reviens à droite ». Même il y a quelqu'un en face, tu finis de passer. Parce que tu reviens à droite, il y a le stop. Donc tu t'arrêtes dessus, en fait. Là, on n'est plus du tout dans les clous. Mais là, tout à l'heure, quand tu tapes le trottoir, je dirais que l'inspecteur, il dirait « faites attention ». La limite de ce qui est tolérable. Ouais. C'est-à-dire que plus, il t'ajourne. Hein. Ça, il te le dit, si le reste de l'examen il est correct, il va pas t'ajourner. Hein. Disons que si ça joue, c'est qu'il n'y avait plus rien à jouer. Si ça quoi? Si ça joue sur le résultat de l'examen, c'est que le reste de l'examen n'était pas terrible. Hein. C'est pour ça que c'est assez compliqué quand les gens ils disent qu'est-ce qui peut faire un ajournement. Il y a plein de trucs, ouais. Mais à la fois, il y a des... Ouais. C'est ça. Et puis, il y a des situations qui ne seront pas dangereuses la plupart du temps, qui à un moment le deviendront. On va... Allez, par contre, on peut avancer un minimum. Voilà. Ce qu'on va faire, on va aller à droite, tiens. Derrière. En même temps, ça fait un moment qu'on est limité à 30. Hein. Ouais, et tu vois, fais-toi plaisir, on est limité à 50. Ouais, c'est clair. Je vais aller à la salle, ça va peut-être me réveiller. Au contraire, ça va s'endormir. Oh non, je m'endors pas à la salle. S'endort sinon. Je m'endors pas. De rouler à 30 et ans, hein. À 16h30, ça va, il n'y aura pas trop de monde. Je vais finir quand le monde arrivera. Vers 17h40, 17h45, quand les gens arriveront, moi j'aurai fini ma séance. Les gens de chez moi. Et après je vais geeker. Ah non, j'ai du montage. Mais après je vais geek. Toujours geeker. Hein? Toujours geeker. Ouais, oh, bah, je refais Dark Souls 1. Je vais déjà. Prends le temps pour passer de vitesse, s'il te plaît. Tout droit, hein? Ouais. Ouais, je refais Dark Souls 1 là. Et... Je me souvenais pas qu'il était aussi raide. C'est-à-dire? Il est dur. C'est un jeu. Disons que tu as intérêt à être motivé pour le continuer parce que. Il y a des boss, tu peux les faire un bon nombre de fois avant de réussir. Hein. Tu joues? Non. Non, pas du tout au jeu. Pas du tout. Pas du tout. Même pas sur le téléphone. Non. À part aux cartes. Ah, j'aime bien les jeux de cartes. Hein? Mario Kart. Ah, non, Mario Kart. Brawl Stars. On ira à droite. Mais Brawl Stars, c'est un truc du moment, ça. C'est quoi Brawl Stars? Je sais pas comment t'expliquer ce que c'est, mais c'est un jeu où il faut tuer. Super. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, tu sais, Dark Souls, t'arrêtes pas de tuer des gens. Hein. Là, bah, des zombies, on va dire. Ouais, bah là, c'est des personnages, quoi. C'est un jeu en ligne? Ouais. D'accord, tu joues contre des personnes? Ouais. C'est addictif?
Ouais. Bon, bah, c'est pas pour moi, alors. en vrai, c'est pas ton addictif. Doucement. Moi, je suis très addictif, c'est-à-dire que je peux passer énormément de temps sur ce genre de conneries. C'est pour ça, maintenant, je joue sur ma console. Et au moins, tu viens jouer quand t'as envie, quand... Ouais. Alors que quand tu joues avec d'autres personnes et tout, c'est plus délicat, tu te fais vite entraîner à... À plus lâcher le jeu. C'est ça. On ira à droite. Oh, je vais dormir tôt ce soir encore. Fou. Ah bah oui, quand tu te lèves à 5h, généralement, tu te couches pas à minuit. Hein. Ouais. Non, tu te couches pas à minuit, je confirme. Oh, ça dépend. Hein. C'est des fois, ouais, je m'impressionne. Hein. C'est le lendemain que c'est dur après. Ouais, c'est exactement. Ouais, mais à ça gauche. Recommence. C'est surtout après le boulot que t'es cassé. Tout doux, tout doux, tout doux. Freine un peu plus avant de mettre ta 2. Freine encore et mets la 1. Si on peut y aller, on y va. Doucement, doucement. Voilà. Pas de précipitation, propre. On montre qu'on sait être propre. On ira à gauche. T'es sur quoi comme série là en ce moment? Eh bah, pas grand chose. Je dors. C'est pas mal aussi. La une? Allez. Moi je suis sur une série. Ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est Anna, je sais pas quoi là. Hein? Anna, je sais pas quoi. C'est franchement, c'est pas terrible. Je pourrais même pas te faire le pitch. Anna, je ne sais pas quoi. Non, je ne sais pas. Oui, non, mais oui, tu ne sais pas l'heure. Va pas trop vite ici. Voilà, l'allure, elle est adaptée, il n'y a pas besoin d'aller plus vite. Et là, on ralentit. T'as vu quand tu ralentis? Prends le temps avant de réaccélérer. T'as vu quand tu ralentis, il n'y a pas d'à-coup. Ouais. Et il y a eu un à-coup quand tu as accéléré comme une brute avant de relâcher l'embrayage. Et on va à droite. Voilà, je freine. La problématique, c'est surtout que tu regardes là-bas, regarde où il est le trottoir, et regarde où est le trottoir à gauche. Oui, j'allais dans le trottoir. Ah ouais, si je te laisse faire, là, on tape le trottoir. Parce que t'es que à gauche, que tu mets pas la une, et du coup, t'arrives trop vite. Allez, si on peut y aller, tourne vraiment par contre. Parce que là, je te laisse avancer d'un mètre comme t'as tourné le volant, c'est sûr, on monte dessus. En fait, ici, mettre la une et ralentir, ça te fait gagner du temps. Ouais, pas mal, ouais. Et du coup, tu as le temps de gérer et ta trajectoire et ce qui arrive. Non, trop tôt. Tu m'as dit quoi? On va à droite. Ouais, tourne. Tranquille, voilà. On ira à droite à nouveau. Allez, avance. Yes. Yes. Voilà, c'est bien géré. Attention, ça c'est des prios.
tout ça, c'est des prix. Ouais. Si tu estimes que tu peux, fais-le. Mais avant la priorité, moi je ferai pas. Ils ont l'air embêtés. Ouais. Ah, le bordel. Ça va. Je me suis dit, s'ils passent pas là, on va se retrouver bloqué encore. Comment ça encore? Bah, parce qu'il y avait la voiture qui arrivait en face. Donc si l'autre décidait pas de passer. Dépasser là. Ouais, ouais. Ah oui. Ah putain. Ah bah t'as compris. Mais c'est pas grave, ça c'est renoncer au dépassement, c'est bien. Reprends l'embrayage et remets la une. On ira à droite. Prends l'embrayage. Tu vois, c'est mieux. C'est un choix judicieux, même si tu avais le temps d'éviter de se mettre dans des situations trop complexes. Ouais. Attends vraiment, tu vas voir, il y a un moment on aura le temps. Ça me paraît short. Là, on peut attendre longtemps, hein, des fois. Regarde, 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 mais arrête de lâcher le truc. Là, t'as eu le temps, mais c'est pas grave. Là, regarde. Je regarde. Mais arrête de lâcher le frein. Parce que t'as vu qu'on avance et au bout d'un moment, on va dépasser le CD le passage. Là. Mais ici, des fois, tu peux attendre 2-3 minutes avant de pouvoir passer. Voilà. Ouais. De toute façon, tu me détestais les voitures derrière. Ouais, elles étaient dans le même cas que nous. Hein. On ira à gauche quand on tourne pointe. C'est un peu leur deux pointes, là. Ouais. Angle mort. Allez, faut changer de voie maintenant. Pas trop tard. Bah oui. Tu vois, depuis le temps que je t'ai dit on ira à gauche, t'attends, et au bout d'un moment, arrête-toi maintenant. Et si on peut se placer maintenant? Bah non, plus maintenant. Bah vas-y, avance, c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. On va faire un truc qui est pas terrible, mais on va rester voie droite dans le gératoire, comme on n'a pas réussi à se mettre à gauche. Comment ça? Tu vas voir, vas-y, avance. Et on va rester voie droite, on va aller à gauche en restant voie droite. T'as le droit, c'est pas l'idéal, mais t'as le droit. Ceux que tu détestes du coup quand ils passent après alors qu'ils étaient à droite, à gauche. Ah, bon, moi je déteste personne. Les gens que je déteste, non, généralement, je m'y intéresse pas des masses. On va couper la route, quoi. Ouais. Ah bah, nous, on coupe la route à personne. C'est, par contre, c'est eux qui vont être gênés. En heure de pointe. Ouais, 16h20, ça va, il y a pire. Mais effectivement, ça commence à être le coin où... Ouais, il est passé... Vite. Ouais, allez. Reste voie droite. Vas-y, par contre, faut y aller. Hein. Hop, et on met la 2.
et on reste voie de droite. Alors, en fait, c'est ça le problème, tu vois. Ah oui. Angle mort gauche et clignotant. Et on sort. Allez, on sort par contre. Voilà, on ne veut pas de changement de voie. Mais ouais, ça, c'est des problèmes que tu peux rencontrer, que les gens ils te coupent devant le nez, ou même que tu aies des gens qui soient en train de rentrer, et eux ils te voient à gauche et ils se disent bon, bah il va sortir vu qu'il est à droite, je veux dire. On ira à gauche. Ouais, c'est bien. Pareil, ravance un peu, sinon il passera pas ouvert. Ah ouais? Ouais. Voilà. Ouais, il y a un capteur et le capteur il est au niveau de du sas cycliste. Donc si tu n'avances pas un peu dessus, il passe jamais ouvert. J'aime bien parce que. La fête foraine, ça dure. Et je trouve pas ça terrible, mais à côté, la foire de Tours, ouais, t'as le marché vrai. Gourmand. Et ça dure une semaine, quoi. Ouais. On ira à droite. Bon, 9 jours. Et on redresse. Allez! On va aller sur l'autre parking, comme ça on va pouvoir faire une manœuvre tranquillement. Ici c'est un peu merdique pour faire des manœuvres. Ah, ou on va faire le tour à droite et encore à droite. Ouais, tu peux la laisser passer et lui faire signe si elle se réveille. Ouais, puis si elle nous dit merci. Ouais, elle a dit merci, t'es de mauvaise langue. Allez, vas-y. Vas-y. Et on va à droite. Oh là là, la rageuse, c'est un délire. Doucement, s'il te plaît. On va s'arrêter un petit peu après la voiture grise là et on va faire un rangement bataille en marche arrière entre les deux voitures. Là. Ouais. Vas-y, clignotant, que les gens ils sachent ce qu'on fait, marche arrière. On recule, premier feu au bout de la vitre arrière, on tourne tout. Allez. Une voiture derrière, je sais pas ce qu'elle veut. Bah, elle veut passer, mais vu que tu fais pas ta manœuvre, elle est pas prête de passer. Tu vois, plutôt que te préoccuper de la voiture, tu ferais mieux de te préoccuper de ta manœuvre. Allez, non, on arrête de reculer. On va la prendre la voiture. Tourne-toi à gauche. Et t'as le pied sur le frein. Hop, top. Et on recule et on redresse. Allez, mets ta voiture droite. Et redresse tes roues. Top, recule. Ça, c'est un truc de base. Quand tu fais une manœuvre, tu as vu la voiture. Hein, la voiture, de toute façon, elle ne peut pas passer, elle passe pas. Ouais. Mais toi, concentre-toi sur ta manœuvre à toi. Parce que le truc, c'est que tu la regardes et du coup, tu ne tournes pas au moment où tu dois tourner et ça complique que plus ta manœuvre. On va se la refaire, celle-là. Alors sans le frein en main, ça m'arrangerait. Le bruit que ça a fait. Ouais. On va s'arrêter après la voiture verte. Et on va faire dans la place qu'il y a juste avant. Hop. Marche arrière. Top. Allez. Tu
prends pas le bon feu en repère en fait. Ouais, je pense bien. On regarde un petit peu. Voilà. Regarde ce qui se passe autour. Est-ce qu'on n'est pas un peu proche ? Bah corrige. Et on redresse. Voilà, super. Ah oui, je vois les barres. Bah oui, c'est mieux. Cule un tout petit peu. Stop. Point mort et frein à main. Bon, c'est pas mal. T'es cramé là. Ouais. Là, elle a plus qu'une envie, c'est aller acheter ses pompes. Et dormir. Et regarde, elle est déjà en train de descendre. Je lui ai même pas dit c'était bien et tout. Non, bah, en fait, je vais pas te dire ça parce que c'était à chier. Je rigole, super. C'est pas vrai. Non, non, c'est pas mal. T'as toujours. Et puis là, à la fin, on sent que t'as envie d'accélérer. Hein. Là, ça fait un moment qu'on est dans des zones 30. Ouais. Alors, ouais, accélère, ok. Dynamise, ok. Mais vas-y, un petit peu plus cool. Ok, sinon, c'est bien. Ok. Allez, check.